Science 3. Détruire la mort et ses programmations. Le monde satanique a établi des saisons sacrificielles. Inscrites dans le livre de la mort, chaque organisation du mal dresse une liste d'immolations humaines dans le monde spirituel. Et cette liste est marquée du sceau des drames, à l'occurrence les accidents sanglants et les calamités de tout genre. Pour en échapper, il faudrait avoir une vie de prière puissante et des techniques de prière comme celle-ci. Répète avec moi. 1 Corinthiens 15, le verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Luc 24, le verset 3. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Réexplication. Nous sommes dans un temps difficile, où il y a des saisons comme celle de fin d'année ou des périodes bien sensibles dans l'année qui sont choisies par les occultistes, les sataniques et les mystiques. Et là, il doit livrer des personnes comme des moutons, comme des animaux sacrificiels pour perpétuer leur pouvoir et leur richesse. Je ne veux pas que tu en fasses partie. Car les morts ont été invoqués, les programmations ont été mises en place, la liste de ceux qui doivent mourir de manière dramatique a été déjà arrêtée. Nous allons annuler ça au nom de Jésus-Christ. Répète encore avec moi. La liste mortuaire dressée dans le cimetière familial et qui a inscrit mon nom est détruite au nom de Jésus-Christ. Le funérailles est déjà préparé dans le monde spirituel qui attend mon corps est détruit au nom de Jésus-Christ. Le cortège mortuaire qui a été mis en place pour convoyer mon âme au cimetière de ma famille, de mon village ou de ma région est brisé et détruit au nom de Jésus-Christ. Le sacrifice rituel représentatif de mon âme réalisé sur l'autel de la sorcellerie familiale est détruit au nom de Jésus-Christ. L'événement d'accident ou de malheur qui réclame ma mort est détruit au nom de Jésus-Christ. La maladie mortelle et l'hospitalisation qui doivent emporter ma vie est détruite au nom de Jésus-Christ. La convocation des morts, appelée en renfort par la sorcellerie, pour venir combattre ma vie et pour me conduire à la mort, cette convocation est maudite et séchée, brisée et détruite au nom de Jésus-Christ. La convocation des morts sortis des cimetières de mes ancêtres, de mon village, de ma famille, et qui viennent troubler mes nuits, est embrasée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. La pression et le joug pesant de la mort qui obscurcit ma journée comme ma nuit est brisé à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez aussi me joindre dans le groupe de combat spirituel Riposte, Facebook, plus 225 07 08 90 78 et 30. Dieu vous bénisse et partagez ces audios pour sauver beaucoup de vies. Shalom.